les 150 000 cheminots à la SNCF, la réforme du système ferroviaire ne pourra pas se faire sans eux. Et encore moins contre eux. Il ne compte pas la laisser passer. La réforme du système ferroviaire sera débattue devant l'Assemblée nationale à l'automne prochain. Une réforme qui provoque déjà la colère des syndicats cheminots SNCF. Sur le tapis, la réorganisation des services, des emplois, mais aussi de l'ouverture à la concurrence à l'horizon 2019. La concurrence n'apportera rien de bon. Les tarifs ne baisseront pas non plus. Pourquoi ? Parce que la région participe grosso modo à 70% de l'effort du prix du billet pour les abonnés. Tous les ans, nous perdons en moyenne 100 à 150 emplois sur la région. Ça a des conséquences sur la qualité de travail, de régularité des trains, de l'accueil en gare, de l'accueil des PMR. Détruire la SNCF, c'est une chose que refusent les cheminots. Ces derniers manifesteront leur mécontentement jeudi 13 juin devant le Conseil régional. Des perturbations sont attendues sur le réseau TER et TGV.